liberté. Chèque. Salut, bienvenue dans cette vidéo. Tout d'abord, je voulais vous remercier puisqu'on a passé les 600 abonnés et ça fait vraiment plaisir. Dans cet épisode, on va rehausser les suspensions du camion en ajoutant une entretoise sur la suspension. Pour rappel, on avait changé nos roues pour du 16 pouces. Je vous mets le lien de la vidéo dans la description et dans le petit i en haut. Nous avons donc décidé de rehausser le camion parce qu'à deux reprises, il s'est avéré que la roue a touché l'aile. Rien de très grave, mais bon, et du coup, il faut trouver une solution pour pallier à ce petit souci. Donc aujourd'hui, on va installer des entretoises de 2,5 cm. On va mesurer tout de suite la hauteur de la suspension avant et après pour que vous puissiez comparer. Je mesure la hauteur de la suspension via un petit mètre. Et donc là, on est à 75. Et à l'arrière, donc toujours pareil, on prend au niveau du centre, on remonte pour avoir la hauteur qui est de... Presque 75. Presque 75, oui. Ouais, on est à 74,5. Pour réaliser ce tuto, il faudra que vous vous équipiez d'un compresseur à ressort. Ça vaut à peu près 40€ chez magasin d'automobiles classiques. À peu près. Ce kit de rehausse est constitué du coup de deux entretoises pour l'arrière, donc de 2,5 cm d'épaisseur. Et toujours 2,5 cm pour l'avant. Le but du jeu ce soir, ça va être donc de placer les entretoises en haut du ressort. Pour ça, il va falloir donc le libérer, et ce qui va nous obliger à démonter l'amortisseur. Lui, il est méchamment malade. Et t'en as pas non. À me filer. Non. En plus, même ça, c'est malade. Faudra les remplacer. Ouais, l'avenir, ouais. Sans trop tarder. Ouais, là ça va être chaud parce qu'il y a 2,5 cm en moins. Ouais, c'est ça. On est pas mal. Si j'arrive à faire passer juste celui-là par-dessus le côté. Si tu veux, je lâche la caméra pour pouvoir filer un coup de main. Là, on s'aide d'un serre-joint pour pouvoir replacer l'amortisseur. Normalement, j'aurais conseillé aux gens, enfin, j'aurais montré aux gens qu'on met de la graisse, une petite touche de graisse
sur les écrous pour pas qu'il se grippe à l'intérieur de l'amorteau pour que ça soit plus facile à démonter. Mais comme c'est un amorteau qu'on a fait il y a 2 ans à peu près, qu'on a déjà remplacé, je l'avais déjà graissé, donc on va pas le graisser une deuxième fois. Okay. Et c'est toujours bien de mettre de la graisse sur un filetage à cet endroit-là. D'accord. Tu veux que je fasse comme ça? Ah, je pense qu'on voit un petit peu bien. Il me fait rire. Il me fait rire. Il me raconte des blagues au moment où je dois filmer. Pour libérer le suspenseur. Le suspenseur de l'amortissement. Voilà. Yeah, on est bien. Allez, prise 42. Pour libérer le ressort, il faut démonter l'amortisseur. Donc il y a une fixation en haut et puis deux de chaque côté là. Et quelque part là, sauf que du coup ce petit bras là et la biellette, il va falloir l'enlever. Merci de me souffler le nom des pièces, chérie. Là c'est la petite clé de 6 pour maintenir la tige. Clé de 22. Ah, il est rouillé. C'est normal que la tête de l'amortisseur ne descende pas avec? Elle va suivre. D'accord. Voilà. Elle est là. Nous avons affaire à un magnifique amorteau vieux. Très vieux. Très très vieux, très rouillé, qui est un Bauge. Un Bauge. Alors, c'est déjà pas un bon amorteau au départ, même quand ils sont neufs. D'accord. Donc là, du coup, on a un vieil amorteau moche. Ouais. Si on doit mettre des amorteaux, on met des biens. Hein? Eh oui. Et si on met des biens, c'est pas le même prix. Oh, comme ceux du projet Nora chez Goesti. Voilà, ah, on peut mettre des Holman Emu ou ce genre de pièces. Mais ça coûte un bras, en plus d'un rein. Ah oui, pourquoi ça sort pas? Parce qu'il est très bête. Il n'a pas mis les compresseurs de ressort avant. Oh, galère! Alors, attends, arrête de bouger là! Quoi? On a oublié de placer les compresseurs à ressort. Dommage. Hop, ça y est, on a enfin réussi à le sortir. Surtout HP1, je bosse pas beaucoup ce soir. C'est censé, voilà, s'emboîter un dans l'autre. Et ça nous rajoute l'épaisseur qu'on demande. Après, on le refait prendre là-dessus.
Comme on a rajouté une petite épaisseur, il faut compresser un petit peu plus les ressorts. Donc l'entretoise plastique d'origine, qui est emboîtée dans l'entretoise neuve supplémentaire, elle a l'empreinte du ressort ici. Oui, Donc comme il à faut l'arrière en fait. bien prendre garde à avoir le bout du ressort qui vient appuyer sur son logement à l'intérieur, là, ici, comme on le voit clairement là, quoi. Donc on le met comme ça et on le fait tourner. Voilà. Jusqu'à être embuté. Là, on doit être pas mal. Et ouais, j'aurais dû me douter de ça. Toujours la barre stable qui fait chier. C'est que la barre stable, c'est une seule pièce oui. qui traverse le véhicule en fait. C'est une barre qui stabilise le véhicule. Donc en fait, elle est prise sur chaque roue, mais surtout fixée au centre, sur le véhicule. Donc du coup, si on la débloque d'un côté mais pas de l'autre, on n'a pas le plein mouvement qu'on peut avoir. Si on débloque des deux côtés, on peut le mettre dans la position qui nous arrange. Là, okay. J'ai essayé ça pour voir si je gagne un peu de place. Du coup, ce sera plus facile parce que là, effectivement, c'est un peu galère pour le rentrer. Ça manque de place. Ben, c'est à cause de mes compresseurs de ressort qui sont un peu pas pratiques. Ça y est, on y arrive doucement. Par contre, faut faire gaffe, le ressort, là, la tâche est un peu décalée en bas. Ouais, mais on le remettra après en douceur, tu vois. D'accord. Ça, c'est pas gênant en fait pendant. Au début, non. On va remonter le bras, ce sera plus simple. Obligatoire la graisse là? Moi j'aime bien mettre de la graisse sur des endroits comme ça qui ont tendance à gripper facilement, surtout que c'est pas démonté souvent. Donc si jamais on doit le redémonter dans pas trop longtemps, eh ben, ça va pas rerouiller. Moi je serais content, ça sera facile à défaire. Mais ça, en fait il n'y a pas un risque que ça se dévisse non. Tout seul non. Avec la graisse? Non, en fait non. Non parce que. Il y a ce qu'on appelle des couples de serrage. Ah oui. Et quand le métal est bien écrasé, bien serré au couple et que tout le monde est bien à sa place, même si c'est lubrifié, ça ne se défait pas. D'accord. Et tu vois, quand je passe derrière d'autres mécanos, que je démonte un truc et que le gars il a graissé, eh ben je l'aime. Je dis là, ah, c'est chouette. Donc j'aime bien le faire aussi parce que je me dis aussi bien. Ça sera un autre mécano que moi qui pourrait être obligé d'intervenir. Ouais. Et du coup, il m'aimera. Et même toi, tu pourrais t'aimer du coup. Et quand des tu... fois, je m'aime bien quand je démonte un truc où il y a du gras dessus. Je me dis, oh. Quand t'es l'autre mécano et celui qui a agressé à la fois. C'est ça. Ah oui, d'accord. Ça fait travailler le truc vraiment. Ça change la géométrie. Hein. Ça change la géométrie. Ok. Il pourrait même être possible qu'on soit obligé d'acheter une petite entretoise à mettre entre la rotule ici et le triangle supérieur. Ouais. Parce que si avec ces entretoises-là, on a trop bougé la géométrie, on risque de jamais pouvoir revenir à une géométrie des roues correcte. Donc pour pallier à ça, on met une entretoise entre la rotule et le triangle pour le faire revenir travailler à une hauteur un peu plus chrétienne. D'accord. Thank you.
Vas-y, alors mesure, combien ça fait maintenant à l'arrière? 78. On était à 74 et demi tout à l'heure. Ouais. Et devant? Et devant? Et on centre, 80. C'est très haut ça. C'est 4 cm à peu près, je crois, je sais plus, je me rappelle plus les mesures de départ. Oui, donc décale de 2,5, ça fait pas loin de 4 cm à l'arrivée, quoi. Là, on passe partout. Ah, là, on va passer partout, là. Là, on va passer partout, c'est sûr. Là, on va arrêter d'abîmer les ailes. Là, j'avoue qu'il a vraiment une allure de synchro. Oui, c'est vrai. Comment ça? Ils vont me dire que là, ça ressemble à des synchro. On s'en approche. Le petit autocollant Two Wheels Drive. Ouais. Oh, avec la barre de toit. Ouais. J'avoue que là. Alors, on n'avait pas fini la vidéo parce qu'on était assez fatigué le soir où on avait fait ce montage là après le travail. Donc il faut savoir que maintenant il y a 15 jours qu'on roule avec. Donc moi je roule tous les jours avec ce camion. Et donc ça fait 15 jours qu'on utilise avec les Rheos de suspension. Tout s'est bien passé. La suspension est un peu plus dure. C'est-à-dire qu'avant moi j'avais une suspension vraiment très molle sur les dodanes, etc. Donc là c'est un peu plus sec, on va dire. Mais ça touche pas, c'est vraiment super. Sur les chemins, on n'est pas embêté et tout. Donc là, on est vraiment top. Donc on est vraiment content parce qu'on a vraiment testé le produit et du coup il est disponible sur Combi Camper. Vous verrez, il y a deux tailles disponibles. Donc sachez que là, pour 2,5 de hauteur d'entretoise, on a gagné 4 cm. Et donc 1,5, ça devrait vous donner ouais, 3 cm de hauteur, quasiment, presque. Voilà. Donc voilà, il y aura ces deux tailles là de disponibles. Et puis à la prochaine vidéo.